va se concentrer sur les 5 temps forts sur le meeting. On va parler de la hauteur, qui sera quand même un des grands moments de ce meeting avec Barchim, Oukhoff, le champion olympique, Kinard, le Canadien. Donc on peut espérer des hauteurs à plus de 40. Et pourquoi pas peut-être un record du monde, puisque Barchim a presque battu récemment. Aussi en fil rouge, puisque c'est des épreuves qui durent presque tout le meeting, la perche avec Renaud Lavillenie, Old Zepé qui est très très fort puisqu'il nous a demandé des montées de barre pour essayer de battre le record d'Allemagne. Et puis dans les courses, le 1500 mètres masculin avec une tentative contre le record d'Algérie de Morcelli par Taoufik Makloufi qui est le champion olympique. Un 110 mètres haies avec tous les meilleurs du monde et 3 Français dans la course A. La quelle je vais garder, le 5000 bien sûr, le 5000 féminin avec une tentative contre le record du monde d'Ibaba Ayana. Et puis j'en ai d'autres, mais c'est déjà ça va. Le 5000 féminin. Je pense que le 5000 féminin, déjà une parce que ça va être, on va avoir le temps de bien rentrer dans la course. C'est une course qui va durer 14 minutes, mais c'est surtout le fait qu'on ait deux athlètes qui sont assez fabuleuses, hein, deux athlètes qui peuvent battre un record du monde, c'est rare, qui ne se sont pas rencontrés depuis très longtemps et qui vont courir ensemble en se relayant pour battre un record du monde et après... À 3 tours de l'arrivée, que le meilleur gagne, donc je pense que ça va être un grand moment. Ce record-là, le record du 5000, effectivement, tout le monde l'attend parce qu'elle est passée, Ayana est passée très près à Shanghai en début d'année, à 3 secondes, toute seule, en faisant 4000 mètres toute seule. Donc tout le monde pense qu'elle en est capable. Donc celui-là, il est là. Je pense que les autres, c'est un peu... On a parlé de la hauteur, on a parlé du 110 mètres haies, on a parlé de la perche. Bien sûr, on a des athlètes capables de le battre. Je pense que c'est beaucoup moins probable qu'un 5000 mètres. S'il y en avait un capable de tomber samedi, c'est le 5000. Oui, de bien boire, de se couvrir parce qu'il va faire une belle soirée et puis surtout de crier très très fort parce qu'il va y avoir plein de moments et les athlètes vont avoir besoin d'eux.